15 animaux du désert incroyables. 1. Le porc épique d'Afrique est un animal du désert. Le porc épique africain se trouve en Afrique subsaharienne, en Afrique du Nord, en Sicile et en Italie, et la longueur de ce porc épique africain varie entre 60 et 90 cm, et c'est l'un des animaux du désert qui se sont adaptés pour vivre et survivre dans le désert. Et l'une des particularités de ce porc épique africain est que sa peau est recouverte de fourrure brune ou noire. Le porc épique est principalement issu d'animaux sauvages, il est également capable de nager, cependant, il ne grimpe pas très souvent. Et bien que le porc épique d'Afrique se nourrit de petits vertébrés, d'insectes et de charognes, c'est avant tout une créature herbivore, cet animal se nourrit de racines, de récoltes, de bulbes. 2. Pika américain des animaux du désert. Le pika américain est considéré comme un animal du désert adaptatif, et le pika américain a été trouvé dans la région ouest de l'Amérique du Nord. Il peut atteindre une longueur de 6 à 8 pouces et peser environ 170 grammes. Et il est capable de répondre aux besoins de son plan d'eau sur le chemin d'extraction de l'humidité de la nourriture, qui habite les prairies, les déserts et les pentes des montagnes. Animaux du désert, adaptés pour survivre dans des conditions climatiques difficiles, l'environnement désertique prévaut dans des conditions néfastes qui nécessitent une certaine adaptation des animaux du désert pour répondre à leurs besoins de base. Et nous passerons en revue quelques-uns des merveilleux animaux du désert. 3. Le spermophile africain est un animal du désert. Le spermophile africain est un animal du désert, il vit dans la région nord-ouest du désert, et il se nourrit de racines, de graines, de petits vertébrés et d'insectes, et le spermophile africain est un animal diurne, qui vit dans des terriers. Et l'écureuil avec une cape est un type de rongeur, que l'on trouve généralement en Afrique, et sa longueur est de 45 cm et il pèse environ 1 kg. 4. Le cheval arabe est l'un des animaux du désert. Le cheval arabe est l'un des animaux du désert caractérisé par l'endurance et l'intelligence, et le cheval arabe a une grande taille avec un corps élancé, et c'est un animal herbivore, et son âge varie entre 20 à 25 ans. Et son poids est compris entre 362 et 453 kg et la hauteur du cheval arabe est d'environ 1,5 m. Le cheval présente des pieds fendus, de longues jambes et une crinière large. 5. Les chauves-souris sont des animaux du désert. Chauves-souris des cavernes de Mioti. Les chauves-souris sont les seuls mammifères capables d'effectuer un véritable vol, et les chauves-souris sont des animaux du désert qui se sont adaptés pour survivre. Cette créature vit dans presque toutes les régions du monde à l'exception des régions polaires froides, et l'âge des chauves-souris varie entre 4 et 32 ans, et il pèse entre 13 grammes à 1,5 kg. Voici une description des différents types de chauves-souris qui habitent les régions arides. Grande chauve-souris à queue libre. Ces chauves-souris se trouvent à Chiayuan et dans la région sud du désert de Sonore, et ces grandes chauves-souris à queue libre sont également connues pour ressembler à un bulldog ou à un mastiff en raison de son visage de chien. Et il existe 90 espèces de cette chauve-souris et elles appartiennent à la famille des Molossida. Chauve-souris brésilienne à queue libre. Cette chauve-souris se trouve dans les quatre déserts des États-Unis d'Amérique, et les chauves-souris brésiliennes comptent près de 100 millions de chauves-souris brésiliennes, et ces chauves-souris sont parmi les mammifères les plus nombreux aux États-Unis d'Amérique. Ces chauves-souris se trouvent dans les déserts de Chiayuan et de Sonore. La chauve-souris au nez à lame. Les chauves-souris à nez bourgeon se trouvent en Californie, qui habitent les déserts de Mojave et de Sonora. Chauves-souris tachetées. Les chauves-souris tachetées sont l'une des plus grosses chauves-souris d'Amérique du Nord, et elles se trouvent dans les quatre déserts des États-Unis d'Amérique. Les chauves-souris tachetées sont également connues comme les principales chauves-souris de la mort. Chauves-souris vampires. Il existe trois types de chauves-souris vampires et elles se nourrissent d'animaux à sang chaud, et ces chauves-souris font des fissures aiguës dans le corps de la proie pour absorber le sang, et ces trois types sont les chauves-souris vampires à ailes blanches. Les chauves-souris vampires communes et le chauve-souris vampire à pattes velues. 6. Le mouton des montagnes rocheuses est l'un des animaux du désert. Les animaux du désert enfoncent les montagnes rocheuses. Le bélier des montagnes rocheuses ou pigeon est un animal du désert, et le bélier des montagnes rocheuses a été trouvé dans la région située entre le Nevada, la Californie, le sud du Mexique et l'ouest du Texas, et le bélier a un corps musclé. Des oreilles pointues et un museau étroit, bouche avant, et le bélier des montagnes rocheuses. Le gros animal est un animal courageux, et se trouve généralement dans un troupeau de 100 individus, et cette créature se nourrit d'une variété de plantes du désert, de carex.
de plantes à feuilles larges et d'herbes. 7. Opossum des animaux du désert. L'animal opossum est également appelé la souris indienne à oreilles de lapin, qui est considéré comme l'un des animaux du désert, et l'opossum a été trouvé dans les déserts d'Australie, et cet animal caché est l'un des animaux nocturnes à l'état sauvage. Et il a de fortes griffes utilisées pour creuser des terriers longs et bouclés, et l'opossum se nourrit de souris, de lézards, de vers, d'escargots et de graines. Les fruits et les plantes sont de petite taille, et bien que sa vision soit faible, son odorat et son audition sont très nettes. Et les chats sauvages et les renards sont des prédateurs des opossums. 8. Le lézard de l'île San Esteban des animaux du désert. Parmi les animaux du désert se trouve le lézard de San Esteban. Le lézard de l'île de San Esteban est un grand lézard qui appartient aux animaux du désert et il a été trouvé dans le désert de Mojave, Nevada, Californie, Arizona et Utah, d'Amérique du Nord, et le lézard de l'île de San Esteban peut atteindre 16 pouces de longueur. Et le poids de ce lézard peut atteindre 900 grammes. Ces créatures herbivores se nourrissent des fleurs et des feuilles de divers types de plantes du désert. 9. Oryx est un animal du désert. L'oryx est également appelé la vache sauvage, qui est considérée comme l'un des animaux du désert qui ont été adaptés pour survivre, et l'oryx a été trouvé dans les cavités isolées du désert, et cet animal se trouve dans le désert sableux et semi-aride zone, et il pèse entre 59 à 113 kg. Et est long à hâte, on sait que l'oryx a des cornes tordues distinctives, et l'herbe astridienne est la principale nourriture de l'oryx. Cependant, il se nourrit également des feuilles, des herbes et arbustes que l'on trouve dans les déserts, et un seul troupeau de vaches sauvages contient 20 à 25 individus. L'âge de l'oryx doit atteindre 19 ans. 10. Le sanglier est un animal du désert. Le sanglier est un animal du désert qui habite les déserts, les îles et les forêts sèches du Mexique et du sud-ouest des États-Unis, et cet animal atteint 3 pieds de longueur et atteint une hauteur à l'épaule de 22 pouces. Et le sanglier est une créature herbivore qui se nourrit d'herbes et de bulbes de plantes, de noix et de fruits et de racines, champignons, baies, champignons et autres. 11. Le coyote est un animal du désert. Le coyote ou le loup d'Amérique du Nord est l'un des animaux du désert, et cet animal carnivore a été trouvé en Amérique centrale et dans les déserts d'Amérique du Nord, et le coyote a plusieurs couleurs, y compris le brun, le noir, le gris ou la crème, et le coyote du désert a un pelage gris. Et cet animal pèse entre 9 et 22,5 kg, et il se nourrit d'oiseaux, de reptiles, de rongeurs et de scorpions, et la durée de vie des coyotes atteint environ 13 ans. 12. L'éléphant du désert est un animal du désert. Les animaux du désert sont nombreux, y compris l'éléphant du désert, qui a été trouvé dans les régions du Damaraland et du Kokoland au nord-ouest de la Namibie, et cet éléphant vit dans les zones entourant les bassins fluviaux rapidement fugaces. Et l'éléphant du désert peut s'adapter pour vivre dans des conditions désertiques difficiles, et l'éléphant voyage régulièrement à la recherche d'un trou d'eau dispersé à travers les déserts, et l'éléphant du désert a des jambes plus longues par rapport à l'autre éléphant d'Afrique. Et aussi le pied est plus évasé que pour la facilité de mouvement dans les déserts, et l'éléphant du désert se nourrit de bourgeons, de feuilles, de fleurs, d'écorces, de tubercules, de bulbes, de racines, etc. Et l'éléphant du désert est légèrement plus petit que la taille de l'éléphant d'Afrique. 13. Iguane des animaux du désert. L'iguane du désert est un animal du désert capable de résister aux dures conditions du désert, et l'iguane du désert se trouve dans les déserts de Mojave et de Sonora au nord-ouest du Mexique et au sud-ouest des États-Unis. Et l'iguane du désert peut atteindre 16 pouces de longueur et sa couleur de peau a tendance à être une couleur gris-rougeâtre avec un motif de maille. L'iguane du désert brun clair est un herbivore qui se nourrit des fruits, des bourgeons et des feuilles des plantes annuelles et vivaces. 14. La tortue du désert est un animal du désert. La tortue du désert se trouve dans les déserts de Sonora et de Mojave aux États-Unis d'Amérique et au Mexique, et cette tortue atteint une longueur comprise entre 10 et 14 pouces, et une hauteur de 4 à 6 pouces. Et la coquille de la tortue a la forme d'un dôme a tendance à être de couleur vert brunâtre et couvre le corps de la tortue du désert et des écailles. Cette tortue utilise ses lourdes pattes avant pour creuser et le régime alimentaire de la tortue du désert comprend des fruits, des herbes, des plantes sauvages et un nouveau cactus grandir. 15. Le chien australien est un animal du désert. Le chien australien ou dingo est l'un des animaux du désert qui supporte des températures élevées, et le dingo est un type de chien sauvage en Australie, qui habite les plaines sèches de ce pays.
Et le chien australien est un chien de chasse de taille moyenne et son la fourrure a tendance à être rougeâtre et le chien australien a de grandes oreilles et a le sens de un puissant reniflement. Cette créature nocturne mange des lézards, des lapins, des kangourous, des souris, des oiseaux et des animaux de la ferme.